Ah, ainsi, vous arrivez enfin. Oh, mais ça alors. On dirait que vous avez perdu la ravissante princesse et le gros bras en route. Dimensio, nous n'avons pas le temps d'échanger des piques avec toi. Dégage du chemin. Oh, je vois, vous êtes pressé. Je vais m'écarter de votre chemin alors. Quand vous m'aurez vaincu. Vous en êtes bien sorti jusqu'à présent, mais je vais corser un peu la difficulté. Nous allons jouer à chat avec de la magie. Et c'est l'heure pour Tourny de bosser un petit peu. Et parce qu'apparemment, on ne peut pas faire un RPG sans un bon vieux revisiter tous les mondes. Où sommes-nous? Regardez, là! C'est Dimensio. Nous revoici dans le monde 1. Facilement reconnaissable avec ses équations et je suppose le fait qu'on a j'ai réussi à prendre des dégâts sur un Goomba, je suis revenu. Il n'y a pas beaucoup de secrets, je ne conseille pas de s'ennuyer particulièrement sur quoi que ce soit. Moi je dirais pas non à avoir les pièces, malgré tout, parce que le fric, c'est chic. Et surtout, le fric n'est pas quelque chose que j'ai en quantité illimitée. Oh non, c'est coincé. Parce que l'ouverture est là. Donc le concept est simple, nous allons retraverser les zones. Le manoir de Merlie. J'imagine qu'on doit le suivre. Non, on peut rester là où on est. Une pièce normalement, ouais. Vous pouvez revisiter les autres zones, enfin les autres pièces, parties du manoir, etc. Mais il n'y a rien de spécial. Réellement. Donc, c'est vraiment juste. Souvenez-vous un peu de la zone. Vous êtes supposé la réexplorer, mais en général, vous pouvez facilement deviner où c'est. La première fois, c'était tout au fond du niveau, parce que c'est un peu difficile de faire autrement. Ici, sauf erreur, c'est au niveau du coffre à poignard. Vous forcez aussi un petit peu à réutiliser vos mécaniques, pixels, etc., je suppose. Hop là. Et pour on va s'utiliser. Ouais, mais Tourny, on l'a pas assez utilisé. C'est normal, il sert à rien. Même en combat, je suis pas convaincu qu'il puisse vraiment vous aider, parce que vous avez pas énormément de. Laisse-moi tranquille, sale bloops horrible. Non mais ça, en plus je peux même pas réellement lui. Je suis obligé d'être envoyé à 20 km à chaque fois qu'il me touche. Celle-ci devrait pas être trop longue, je pense, étant donné qu'il y a pas grand-chose que vous puissiez faire sans Bowser. Toi, je vais te prendre. J'ai déjà dit que je me fichais complètement du fait de mon type de niveau parce que je vais pas pouvoir l'éviter. Et je suis pas dans une situation où je peux me permettre de prendre du dégât constamment. Dimensio va être très lourd. Ah, l'espace. Mais je vais pas m'ennuyer non plus particulièrement à. Oh. Est-ce que vous êtes sérieux? Luigi! J'imagine que l'espace n'est pas prévu pour le super saut de Luigi, donc ça fait aucune réelle différence. C'est ma-oh. C'est vachement moche. La porte doit être fermée, j'imagine? Ouais. Ah ouais. Yip! Un méchant! Il va me tuer!
Non, c'est pas du tout comme ça que ça passe. Bon, par défaut, il... Ouais, ça doit être celui avec l'espèce de mini-pont invisible. Ouais, c'est ça. Il y a des mini-pods, donc je vais pas m'embêter à l'ouvrir. De toute façon, j'ignore la majorité des boîtes. Cet épisode va durer malheureusement un peu plus que ce que je ne voudrais. Mais c'est la vie. Et maintenant les gars, je suis pas un énorme fan de ce truc là. Pas en mode, non, mais c'est nul, et puis c'est pas nécessaire. Mais enfin, c'est surtout que c'est long, et je trouve que ça apporte pas grand chose. Surtout qu'il y a beaucoup de passages qui sont très très courts, alors je sais, c'est peut-être pour vous donner l'occasion de récupérer certains objets, certaines boîtes, certains trucs, mais de manière générale, c'est surtout du soin. C'est surtout du soin ou des trucs que vous n'allez pas pouvoir garder dans votre inventaire, et voilà, alors c'est bien sûr c'est un peu atmosphérique et c'est pas si mal, mais en plus là, vous voyez, là, la visite ici où il y a rien, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucun ennemi, c'est vraiment juste la ligne droite pour vous rappeler où, oui, cette zone vide, où on a un peu échoué, même si on n'y est pas pour grand chose. Donc... J'ai rien contre, mais je trouve pas que c'était essentiel. Surtout qu'il y a un autre élément qui va m'ennuyer, que vous verrez juste après. Mais ça, c'est un autre détail. J'allais dire, ouais, vaut mieux que je fasse attention, parce que si je la passe par mes gardes, je sais pas jusqu'où je peux aller après. Je suppose qu'il y a une limite, mais ça doit être une très grande salle. Ça se trouve, il y a un objet super rare au fond, genre une carte en or massif, qu'est-ce que j'en sais. Ah, super. Cette zone, mais sans Bowser pour allumer les lumières. Allume la lumière. J'ai tellement de bons souvenirs d'avoir remonté des bons sangs d'obstacles pendant 1 heure et demie dans cet endroit. Heureusement, je suppose que j'ai juste à rejoindre le sommet pour celle-ci. Dites-moi que j'ai raison. J'aime avoir raison, surtout quand des gens veulent me tuer. Et qu'on voit rien. Ouais, c'est ça. No. Petit lag du jeu. Et la main qui a été vachement motivée. Vous aimez jouer à chat ? Hey, arrête de plaisanter, battons-nous pour de vrai. Plaisanter? Oh non, la magie n'est pas une plaisanterie. Je suis on ne peut plus sérieux. Je vous ai observé, vous êtes les seuls à pouvoir vaincre le comte Niarc. Alors, rendez-moi un service, aidez-moi à détruire le comte. De quoi tu parles? Tu veux le trahir? Le trahir? Oh non, c'est le comte Niarc qui m'a trahi. Il disait qu'il allait détruire tous les mondes pour créer un nouveau monde parfait. Mais il mentait. Il prévoit de détruire tous les monts puis de les laisser en ruine. J'ai toujours su pour son néfaste projet, mais je ne pouvais pas l'arrêter seul. J'ai donc feint la loyauté tout en cherchant ceux qui m'aideraient à le vaincre. Et oui, voilà pourquoi j'ai sauvé la princesse de son lavage de cerveau. Voilà pourquoi je vous ai envoyé dans l'en-dessous afin de réparer le cœur pur. Voilà pourquoi j'ai libéré un homme afin qu'elle retrouve son frère. Vous comprenez maintenant ? Tu nous as aidé tout ce temps? Ah, vous saisissez enfin. Maintenant, c'est à votre tour de me rendre service. Je vais vous donner le pouvoir nécessaire pour écraser les Niarc. Battez-vous à mes côtés. Bah ouais, je veux dire, ça paraît cohérent et c'est un peu la fin du monde. On a besoin de tous les alliés qu'on peut trouver. Mario, attends, tu crois qu'on peut lui faire confiance? Non, mais on est des héros, donc je suis presque sûr que ça va bien se passer. Et puis... Mieux vaut lui faire confiance et se planter que voir le monde, enfin, l'univers détruit. Je ne sais pas si on peut croire à ces histoires, mais me faire confiance, la confiance est le ciment de la civilisation.
Que pensez-vous de ça? Battez le comte, je vous donnerai une carte rare. Ça, oh oui. Il ment, je le sens. Essayez de berner afin qu'il ne nous cède à ses propres fins. Tu es comme ce pauvre ballon triste et dégonflé qui a perdu toute confiance. Peut-être qu'un flacon de mon parfum Dimensio vous fera changer d'avis. Les gens vous feront une ovation chaque fois que vous entrerez dans une pièce. Alors, vous venez en main. Mais bien sûr, je prends. Mario, qui crois-tu, Dimensio ou moi? Je te préviens une dernière fois, un autre oui et je ne pourrai plus te sauver. Tu seras le partenaire de ce psychopathe, pour le meilleur et surtout pour le pire. Tu es le héros. Vas-tu laisser une cervelle de papillon influencer ta décision? Alors, vas-tu m'aider à affronter mon dernier? Oui. Ah! Excellent choix, Mario. Tu es plus intelligent que j'en ai l'air. Frérot, tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Mario, pourquoi? Adieu. Comment ça, adieu? Nul ne peut résister à l'appel du pouvoir, Mario. Voilà ce que je t'ai promis. Oh. Ce bruit, c'est ta volonté qui s'est évacuée par la chasse d'eau de ton esprit. Tu es mon esclave désormais, et tu feras ce que je veux. Tu seras sans peur. Va battre le comte, et quand ce sera fait, je créerai un monde nouveau. Ah, encore une fois. Ah. Yup. Whoops, non. Je ne vois pas. De toute façon, à partir du moment où ils nous disent qu'ils vont nous acheter avec des trucs, c'est non. Tu refuses, malgré mon offre, on ne peut plus généreuse. Avec le cœur du chaos, nous pourrions diriger tous les mondes, qu'en dis-tu? Oublie ça. Tu craches sur mon offre, tu m'as fait perdre mon temps. Prépare-toi à faire game over. Je vais commencer par le verre. La moquette qu'il a sous le nez fera un beau trophée. Moquette! Cette moustache est l'essence même de Luigi! Laisse-le-moi, frérot, par devant. T'as des mondes à sauver, tu n'as pas le temps de combattre ce méchant. Que les sacrifices de Bowser et Peach ne soient pas vains, ni le mien d'ailleurs. En plus, il s'est moqué de ma moustache, frérot, tu sais que moi je déteste ça. Laisse-le-moi. Vas-y, frérot! Merci, frérot. C'est chou. J'en ai les larmes aux yeux. Oui, Mario peut continuer. Et s'il réussit à vaincre le contenir tout seul, c'est encore mieux. Alors je frappe comme un ballon prisonnier dans un gymnase plein d'écho. Et nous sommes contre Dimension personne. Et nous n'avons pas Tipeee. Celui-ci a probablement beaucoup trop de PC, 4 d'attaque et il est invincible. Yeah! Hey, c'est moche ça! Luigi est plutôt efficace contre Dimensio, étant donné que son excellent saut et sa bonne mobilité peuvent l'aider. Oh! À faire du plutôt bon dégât. Et il a bien entendu le double dégât via son super saut que vous pouvez essayer de caser de temps en temps. Ah, d'accord. Wow. Bien, pour les clones, vous pouvez distinguer lequel est le vrai en voyant lequel se déplace en premier, j'ai l'impression. Non. Il n'a pas montré beaucoup de ses attaques jusqu'ici. Les clones, un tir. Normal, ok, d'accord, je... Ok, ça par contre, ça m'évite de prendre des dégâts, ce qui est normal, en fait. Il met pas les boîtes à explosion jusqu'ici. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de nouvelles attaques, le bougre. Je vais pas hésiter à l'attaquer autant que je peux. Pas de... Ah, j'attends qu'il montre des attaques. J'ai pris super cher contre Mimic. No. Non. Yeah. Ouais. Oh non. Ok, d'accord. J'ai pas pris de dégâts parce que j'étais déjà endommagé parce que j'ai touché Dimensio. No. Bon, je pense qu'on a tout vu. Il a pas beaucoup changé depuis son dernier combat. Oh, allez, c'est moche. J'ai manqué de place pour fuir. Oh, et c'était le dernier coup.
Non! Pouce, je m'avoue vaincu. Pouce, j'ai dit. T'en as assez, Dimensio. J'ai pas besoin de mon frère, héros de frère, pour te battre. Je me rends compte à présent. Ton pouvoir est formidable. C'est pourquoi je ne peux te laisser tomber entre les mains gantées du Compignard. Oh. Qu'est-ce que tu... Ah, je te tiens, Luigi. Par ma magie, tu vas me rejoindre dans la tendre agonie du Game Over. Non! Ciao. Luigi. Non, impossible. C'est juste arrivé deux fois déjà. J'espère que tu profites, Tourny. Tu vas pas avoir beaucoup plus de screen time que ça. Mais, Luigi. Oui, tu as raison, Mario. C'est dur, mais tu as raison. Nous le pleurerons plus tard. Nous devons stopper le compte. Eh, au pire, je suis sûr qu'on pourra trouver un deal avec la reine ADS. Cependant, cet épisode a déjà duré bien assez longtemps, et je veux dire, blablabla, on a perdu Luigi, blablabla, tristesse, blablabla, je vous retrouve la prochaine fois pour qu'on confronte peut-être enfin le grand dernier voisin, donc c'est là, ciao.